3 erreurs en anglais que font tous les anglais ou les anglophones, c'est le thème de cette vidéo. C'est pas possible, des erreurs les anglais en anglais? Ben oui, c'est possible, et ben justement on va les voir. Mais avant que l'on voit ces erreurs, tu peux ici t'abonner sur la chaîne YouTube, il y a un bouton quelque part par là. Si tu es sur mobile, c'est un peu plus bas, tu cliques, tu appuies sur la cloche, comme ça tu as tous les cours en avant-première. Et si tu désires tenir une conversation simple, tu peux télécharger gratuitement ma formation, mon guide complet gratuit. Il est en bas, tu mets ton mail, ton prénom, tu reçois tout ça gratuitement et tu peux progresser dès aujourd'hui. I'm Derek, your online English teacher who is Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors revenons sur ces 3 erreurs. Eh oui, les anglophones, les anglais font des erreurs en anglais. Ça arrive comme tout français, on fait des erreurs quand on parle de grammaire. Ça arrive et les voilà. Alors, les phrases ici, je tiens à dire, elles sont bonnes. Les phrases ici sont bonnes et je vais t'expliquer où se trompent les anglophones sur ces phrases-là. Premièrement, les anglophones se trompent souvent entre « there is » et « there are ». « There is », c'est « il y a » quand c'est au singulier. « There are », c'est quand il y a au pluriel. Par exemple, « there is one man », il y a un homme. « There are two men », il y a deux hommes. Alors « man », singulier, « men », pluriel. Pluriel irrégulier. J'ai fait une vidéo là-dessus, ça doit apparaître quelque part sur l'écran. Sinon, tu vas voir dans les vidéos un peu plus bas sur la chaîne bilingue en anglais et tu trouveras bien sûr ces pluriels irréguliers. Cependant, beaucoup d'anglophones, quand il s'agit de dire il y a, alors que c'est au pluriel, ils utilisent there is. C'est pas bien. Donc ici, au lieu de mettre there are, ils mettent there is. Je l'ai entendu plusieurs fois, je ne l'invente pas en fait. C'est vraiment issu, moi, de mes voyages, c'est issu de mon expérience, c'est issu aussi du milieu où je suis. Hein. Donc, étant dans les deux langues, franco-écossais, ayant voyagé en Écosse et aux États-Unis depuis tout petit, forcément, on entend, on se dit c'est bizarre, c'est pas comme ça qu'on dit. Et vu qu'on a deux langues, eh ben, on apprend aussi la grammaire dans les deux et ça nous permet d'avoir un retour très critique. There is two important things. Attention, things est au pluriel. Donc, c'est pas there is, il y a deux choses importantes. Things, choses, truc. Il y a deux choses importantes. Il y a, donc c'est forcément there is, pas there is. Première erreur que les anglophones font souvent. Deuxième erreur que les anglophones font souvent, ils se trompent entre les adjectifs longs et les adjectifs courts. Je rappelle la règle. Quand on a un adjectif court, comme nice, comme cool, si jamais on veut faire un comparatif entre deux choses, deux événements, deux personnes, et bien on rajoute ER à la fin. Cool va devenir cooler, nice va devenir nicer, kind, kinder. Cependant, si on a un adjectif long comme beautiful, ma femme par exemple, et bien si on a beautiful, on ne va pas mettre ER à la fin, on va rajouter devant un petit mot. More beautiful. Donc adjectif court, cool plus ER, adjectif long, more beautiful. Et souvent, les anglophones se trompent quand ils ont un adjectif court. He is, et bien ils mettent more et ils enlèvent le ER ou le R à la fin. He's more nice. It's more good. Et forcément, good, on sait que c'est better. C'est irrégulier. Et bien ça, c'est une erreur. Les adjectifs longs, more plus adjectif, adjectif court, adjectif plus ER. Et voilà, ça pose problème parce que ça c'est pas possible. Donc on enlève more et on met ER parce qu'on a un adjectif court. Dernière erreur qu'ils font assez souvent, fewer et less. Ils les confondent. Alors, pourquoi? Une règle très simple, fewer, less, ça veut dire moins, moins de. D'accord? Less, c'est quand on ne peut pas le compter. Par exemple, s'il y a moins de lait, on ne peut pas dire un lait, deux laits, trois laits. Le lait, c'est non comptable. Alors que fewer, c'est moins quand on peut le compter. Donc, si jamais je rentre dans une salle et je dis, tiens, il y a moins de chaises. Fewer chairs. Par contre, si jamais je dis, tiens, il y a moins de monde. Le monde, ce n'est pas un monde de monde, c'est du monde. Less people. Et donc, beaucoup d'anglophones se trompent sur there are teachers, des professeurs, des enseignants. Oui, aujourd'hui, c'est la crise, il y a moins de profs d'anglais, il y a moins de profs de maths, c'est terrible. Et oui, bah, on dira bien fewer. Et beaucoup utilisent less. There are less teachers. Mais non, c'est pas possible. On peut les compter, les profs. Donc, less est faux. Et donc, il faut utiliser fewer. Et oui. Donc, there is, there are, il y a, singulier pluriel. Adjectif long, more plus adjectif court, l'adjectif seul plus ER. Et dernièrement, fewer, quand on peut compter less, moins quand on ne peut pas le compter.
Voilà. J'espère que ça t'aide vraiment de te dire « Ah mince, je fais des erreurs moi ici en anglais, mais c'est pas grave, parce que les anglophones en font aussi. » Et oui, et bien sûr, c'est pas l'erreur qu'on apprend. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ta journée se passe très très bien. Tu dois voir dans ma tête que je suis extrêmement fatigué. C'est une bonne chose, parce que je suis en train de préparer quelque chose d'exceptionnel pour Black Friday. Reste connecté, Black Friday, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie entière, qui va enfin t'aider à gommer une bonne partie de ton accent, à tenir presque n'importe quel type de conversation, qui va te permettre pardon, de pratiquer l'anglais où que tu sois, et qui va arrêter de l'anglais ne te frustrera plus. Donc reste bien connecté, parce que pour Black Friday, c'est le 23 novembre, je t'amène un contenu de malade, parce que je suis claqué, je bosse 75 heures par semaine. Tu peux cliquer juste ici, t'abonner, n'oublie pas, si ça n'apparaît pas parce que sur mobile c'est un peu plus bas, tu appuies sur subscribe et sur la cloche, comme ça tu ne manques rien, et tu télécharges gratuitement ta formation gratuite, ton guide complet gratuit vidéo pour parler anglais. Parce qu'une langue, ça se parle. Talk to you later, bye bye.